Quand la pression monte, quand les enjeux deviennent vitaux, comment se prennent les décisions au cœur de la machine d'État ? En janvier 2013, la France déclare la guerre aux djihadistes qui menacent de conquérir le Mali. Les liaisons dangereuses, le dilemme des otages, la pression des politiques, c'est cette histoire racontée de l'intérieur par les hommes et les femmes de l'ombre que vous allez découvrir tout de suite dans Cellule de crise. Le 11 janvier 2013, la France lance seule une offensive surprise au Mali. La France, à la demande du président du Mali, s'est engagée hier pour appuyer l'armée malienne face à l'agression terroriste qui menace toute l'Afrique de l'Ouest. Quand la France entre en guerre, quand une décision engage la vie de milliers de soldats contre un ennemi lointain, comment la machine d'État se met-elle en ordre de bataille ? Le président a décidé qu'on allait y aller. Et il veut y aller vite, et il veut y aller fort. La justification de cette intervention, c'est la menace terroriste. Tout le pays risque de basculer aux mains des djihadistes. Au cœur des cellules de crise, nous allons vous raconter la diplomatie secrète. Nous n'avions pas besoin d'une intervention au sol. Les pressions des politiques sur les militaires. Les plus belles idées parisiennes se heurteront toujours à la réalité du terrain. Et le terrain, là, c'était le sable. Les liaisons dangereuses de l'armée française sur le terrain. Toutes les bonnes volontés pour lutter contre les groupes armés terroristes sont les bienvenues. Les combats extrêmes face à un ennemi prêt à tout. Mais il y avait aussi des enfants soldats. Là, c'était un choc psychologique. La France a-t-elle rempli ses objectifs ? Détruire les djihadistes dans leur sanctuaire, restaurer l'intégrité du Mali. Cellule de crise, Mali, les secrets d'une guerre contre le terrorisme. La première alerte est donnée à Creil, par des opérateurs de la très secrète direction du renseignement militaire. Sur leurs écrans, des balises localisent les téléphones satellites de chefs djihadistes au Mali, à 5000 km de là. Les cibles se savent écouter et communiquent au minimum. Mais la surveillance électromagnétique permet de suivre les déplacements de leurs téléphones. Les renseignements français surveillent la montée en puissance des principaux leaders de trois groupes terroristes, Ansar Din, ACMI et le Moudjahou. Ils sont membres d'Al-Qaïda, indépendantistes Touareg ou anciens combattants de Kadhafi. Ils vivent du trafic de drogue et des prises d'otages. Depuis début 2012, ils occupent la moitié nord du pays et imposent la charia. Ces images de destruction des mausolées de Tombouctou font le tour du monde. Ce message est envoyé à la France, aux États-Unis et à tous les pays de l'OTAN. Leur dire que les moujahidines sont prêts à l'offensive à n'importe quel moment. Pour la première fois, ces groupes jusque-là autonomes sont en train de s'allier. Ils sont estimés à plus de 1500 combattants.
Cédric Lewandowski centralise les informations des services de renseignement pour le ministre de la Défense. Tout un faisceau de présomptions nous permettent d'être tous les jours un peu plus convaincus qu'il se passe quelque chose et que ces mouvements-là, qui n'étaient pas censés dialoguer les uns avec les autres, sont en réalité en train de planifier quelque chose. Un Hercule C-130 des forces spéciales françaises est envoyé au-dessus du Mali. Il filme des mouvements de pick-up qui confirment les écoutes. Des combattants djihadistes convergent vers le sud, menaçant la capitale, Bamako. On a du renseignement avec des caméras au-dessus de cette colonne, relativement haut pour ne pas être visible du sol, et qui nous a permis de dire à nos autorités politiques et militaires, si on ne fait rien maintenant, il sera trop tard après. Le lendemain, les craintes se concrétisent. 70 pick-up djihadistes s'apprêtent à foncer sur le village de Kona. Pour la première fois, ils franchissent la frontière virtuelle entre le nord qu'ils occupent et le sud du pays. Ce même jour, dans le Loiret, François Hollande présente ses vœux aux militaires. Il se montre préoccupé par la crise au Mali. Le terrorisme, cette forme de barbarie qui a déclaré la guerre à toutes les civilisations, a pris racine dans le Sahel et dans le nord du Mali. Le Conseil de sécurité, à notre initiative... Mais le chef des armées réaffirme la ligne tenue depuis des mois. C'est à la communauté internationale d'intervenir. La France, avec l'Union européenne, participera à la formation des forces armées. À la fois celle du Mali et celle des Africains. Officiellement, la France n'interviendra pas à la place des Africains. Mais la position de François Hollande va évoluer en quelques heures. De retour à l'Élysée, il reçoit plusieurs coups de fil des autorités maliennes. Laurent Fabius est témoin d'une de ces conversations. J'ai le souvenir d'un coup de fil du président Traoré qui dit ceci. Monsieur le président de la République, la France est le seul pays qui dispose de forces capables de nous défendre. Et donc je vous demande d'intervenir parce que non seulement je serai mort, mais les terroristes auront pris le contrôle du Mali. Hélène Le Gall est à la tête de la cellule Afrique de l'Élysée. Depuis des mois, le président prépare avec les chefs d'État de la région une force africaine. Mais il faut du temps. Ce qui va se passer sur le terrain, le regroupement de tous ces djihadistes, en fait, va précipiter les choses et va obliger à une intervention beaucoup plus rapide, beaucoup plus robuste. Et ça, seul un pays comme la France pouvait le faire. Dans le plus grand secret, l'Élysée commence à négocier les conditions d'une intervention militaire. Pour qu'elle soit légale, François Hollande demande une invitation écrite des Maliens. Une première lettre arrive à l'Élysée par télégramme diplomatique crypté. Mais elle ne convient pas. Cette lettre du président malien Traoré, la voici, elle ne fait pas référence à l'ONU. Oui, et c'est un problème parce que la France veut absolument intervenir dans le cadre de la légalité internationale. Et pour ça, elle a besoin que les Maliens adressent aussi leur appel à l'aide à l'ONU. Et il y a une autre difficulté sur cette lettre, elle est trop précise. Elle fait référence à une intervention aérienne immédiate. Or, le 9 janvier, la France est convaincue qu'elle devra intervenir au sol parce qu'elle pense que l'armée malienne en pleine débâcle n'est pas capable de faire face à l'avancée des pick-up djihadistes. Et donc cette lettre limiterait la marge de manœuvre de l'armée française. Cette lettre demandait une intervention militaire, rapide, une intervention aérienne. C'est précisé, une intervention aérienne.
nous n'avions pas besoin d'une intervention au sol. Parce que l'armée malienne était quand même prête à poursuivre les terroristes au sol. Et du coup, Ndah Traoré demande un appui aérien dans sa première lettre. Il pense que ça va suffire pour stopper l'avancée des djihadistes. Et deuxièmement, il est, je pense, assez réticent aussi à une intervention militaire complète sur le sol malien. Et Diouf Ndah Traoré et les autorités maliennes sont assez crispés sur ce sujet-là. Les conseillers ministériels français planchent sur les modifications qu'ils vont demander aux Maliens. En fait, on leur donne les termes de la lettre qui nous conviendrait et on échange avec les autorités maliennes qui nous refont une lettre dans la même journée où le Mali demande officiellement le soutien militaire de la France. Ces tractations diplomatiques restent secrètes. Publiquement, il n'est toujours pas question de lancer une action militaire au Mali. Pourtant, ce même jour, à l'hôtel de Brienne, le ministère de la Défense est convaincu que la France doit intervenir de toute urgence. Ce jour-là, nous savons que le chef du Mujaho, l'un des trois mouvements, annonce à ses troupes « Préparez-vous, mes frères, nous allons attaquer ». Imaginez qu'Al-Qaïda prenne le contrôle du Mali, dispose d'un État en soi, s'installe, ça veut dire avoir une base arrière, installer des usines de fabrication d'armement. S'il prenait le contrôle d'un État, alors c'était une déstabilisation de l'ensemble du Sahel et donc un véritable danger pour la France et pour l'Europe. La France redoute la création au Sahel d'un sanctuaire terroriste, d'un Sahélistan, à l'image de ce qui s'est passé quelques années plus tard en Irak ou en Syrie avec le groupe État islamique. C'est l'enjeu central. Mais est-ce qu'il y a d'autres intérêts pour Paris à intervenir, politique ou économique? Alors, la France n'a pas vraiment d'intérêt au Mali. Elle ne participe pas à l'extraction de l'or malien, qui est la principale ressource du pays. Et ailleurs? En revanche, oui, elle en a au Niger voisin, juste à côté du Mali, car le Niger fournit 30% de l'uranium consommé par les centrales nucléaires françaises. C'est vital. C'est absolument stratégique de protéger ses approvisionnements de la menace terroriste. Dans le village de Kona, des combats opposent les djihadistes à l'armée malienne depuis la veille. La centaine de soldats maliens ne tient plus que la préfecture et deux checkpoints. Le commandant Abbas Dembélé est à leur tête. En face de nous, les véhicules qui débarquaient des djihadistes qui tentaient de monter à l'assaut sur nos différentes positions. Le checkpoint sur l'axe de Tombouctou avait été détruit. Le checkpoint principal qui avait pu tenir et qui repoussait même l'ennemi risquait de prendre l'attaque dans son dos pour ne pas laisser les hommes à la boucherie. J'ai évalué un peu le risque. J'ai dit stop. Il fallait se replier sur une autre ligne en arrière et réorganiser ses forces. Après deux jours de combat, les soldats maliens se replient. Les djihadistes prennent possession du village de Kona. Ils filment leur entrée victorieuse dans la ville. Ils s'emparent des armes, des munitions, des blindés abandonnés par l'armée malienne. À Paris, au ministère de la Défense, les informations sur la débâcle de Kona remontent en temps réel. La France n'est pas encore en guerre. Pourtant, le patron des forces spéciales donne l'ordre à ses hommes installés au Burkina Faso de partir pour Mopti Sévaré, une grande ville proche de Kona. On a envoyé des reconnaissances, parce qu'on ne s'engage jamais sans reconnaissance, sans renseignement. Quelques 20 à 30 bonhommes sur l'aéroport de Mopti Sévaré, avec de quoi se défendre et de quoi tenir quelques jours. Qui tient l'aéroport, tient la ville. Les forces spéciales aménagent leur poste de commandement à l'intérieur de ce bâtiment. Là, on a un appui conséquent. C'est un démultiplicateur de force. C'est leur nombre importe peu, mais chacun des éléments de cette force a plusieurs capacités. Ce n'est pas des soldats ordinaires. Ces hommes des forces spéciales
interviennent pour des missions délicates, sur des terrains où la France n'est pas présente officiellement. Ils opèrent discrètement depuis 4 ans, dans la région du Sahel. Sur place, ils s'appuient sur le responsable de l'aéroport. Ils sont venus, ils me disent, bon, ne courez pas des journalistes, pas d'autres personnes. Nous, on, c'est toi seul qu'on reconnaît à l'aéroport. N'importe quelle personne qui doit rentrer doit passer par toi et tu nous informes. La nuit tombée, des renforts continuent d'arriver. Une centaine d'hommes qui ne passent pas inaperçus. Officiellement, la France n'est pas en guerre. Des journalistes pourraient poser des questions. À Bamako, l'ambassadeur de France anticipe les fuites. Dans l'urgence, je sollicite de Paris des éléments de langage. Qu'est-ce qu'on doit dire aux médias qui vont à la population, qui vont bien s'apercevoir qu'un avion militaire français s'est posé sur le sol malien et d'un commun accord avec les Maliens, on dit voilà, reprise de la coopération. Dans la nuit, l'Élysée obtient un ultime feu vert. Le Conseil de sécurité des Nations Unies appelle à aider l'armée malienne. La France a un cadre légal, des forces sur place. Elle peut intervenir. Le président Hollande présente ses vœux au corps diplomatique. Monsieur le président de la République. La veille, il affirmait encore que la France n'interviendrait pas au Mali. Cette fois, il prend tout le monde de court. Nous sommes face à une agression caractérisée. J'ai donc décidé que la France répondra aux côtés de nos partenaires africains à la demande des autorités maliennes. François Hollande convoque à l'Élysée les chefs militaires, les patrons des services, des conseillers et ses principaux ministres. Un conseil de défense restreint qui se tient dans le Salon Vert. La conviction du président est faite depuis 2 jours. Mais officiellement, c'est lors de ce conseil qu'il prend sa décision. Quand des décisions aussi importantes sont prises, il faut qu'il y ait une formalisation. Il n'y avait pas de suspense. La décision devait être prise. Dès la fin du Conseil de défense, le chef d'état-major des armées rejoint un bunker enfoui sous le boulevard Saint-Germain. Le CPCO, le Centre de planification et de conduite des opérations, va mettre en œuvre les ordres de François Hollande. Le président a décidé qu'on allait y aller. Voilà. Et il veut y aller vite et il veut y aller fort. On est vraiment là dans l'opération coup de poing qui vise à donner un signal extrêmement fort à la fois à la communauté internationale et à la fois à l'ennemi que la fête est finie et que l'engagement de la France va être extrêmement fort et brutal. Dans la cellule de crise, une trentaine d'officiers de tous les corps d'armée, des agents du renseignement et des forces spéciales. Ils planifient les opérations en amont et les suivent en temps réel. Respect, mon général. Voilà, je vous appelle pour le capitaine de vaisseau Pierre Vandier déroule immédiatement un scénario mis sur pied depuis des mois. On avait dans notre coffre une sorte de liste de courses en se disant si la guerre commence, voilà ce qu'il faut faire. Par exemple, comment utiliser les troupes qui sont en Côte d'Ivoire. Et donc on connaissait parfaitement le délai qu'il fallait pour les troupes en Côte d'Ivoire pour aller au Mali. Une fois que le CEMA dit on y va, je sors ma liste de courses, je réunis mon équipe et je leur dis okay, c'est parti. La cellule de crise mobilise les bases françaises d'Afrique de l'Ouest. À N'Djamena, une unité de 50 hommes reçoit l'ordre de partir en urgence pour le Mali. Le colonel Paul dirige le détachement. C'est à la fois une surprise parce que on ne s'attendait pas à intervenir
sur le Mali. Le président avait dit qu'il ne comptait pas déployer des forces au Mali. En même temps, un certain enthousiasme d'avoir été choisi pour faire partie de cette aventure. Les chefs de l'état-major doivent trouver un nom à cette opération. Ils pensent d'abord à Simter, un sabre touareg. Mais si l'armée s'enlise, le jeu de mots cimetière serait trop facile. Ils trouvent finalement la solution sur Wikipédia. Ce sera à Serval. Les forces spéciales sont pour l'instant les seules en mesure de mener les combats. Elles reçoivent l'ordre de bombarder les pick-up djihadistes qui se rapprochent de Mopti Sévaré. À ce moment-là, le moyen le plus efficace et le plus rapide, c'est d'utiliser les hélicoptères de combat, en l'occurrence des gazelles qui étaient celles que nous avions sur place, équipées d'un côté d'une mitrailleuse et de l'autre côté de missiles anti-chars, qui sont allés en vol, je veux dire, au contact de cette colonne de djihadistes. Moins de 2h30 après la fin du conseil de défense, deux gazelles décollent de Mopti Sévaré. Dans chaque appareil, deux hommes du 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales de Pau. Le terrain est plat. Les gazelles ne peuvent pas utiliser le relief pour approcher discrètement. Une caméra embarquée dans l'un des appareils a filmé l'intervention. La gazelle ouvre le feu sur une cible au sol. Sous le nuage de poussière, l'ennemi est détruit. Mais des djihadistes dissimulés sous les acacias répliquent. Les deux hélicoptères sont touchés. La première gazelle doit se poser en urgence. Un soldat est blessé. L'équipage sera récupéré, l'engin brûlé par les Français. Je préfère détruire la gazelle définitivement de façon à ce qu'elle ne puisse pas être utilisée en termes de propagande contre nous. Pour dire, regardez, c'est un hélicoptère français, c'est nous qui l'avons détruit. L'autre appareil reprend la direction de l'aéroport. Mais à bord, le lieutenant Damien Boiteux est gravement blessé à l'aine. Le soldat a perdu énormément de sang quand la gazelle atterrit à Mopti Sévaré. Le chef du contingent de force spéciale me dit « Ah, Doucouré, tu viens vite. » Ils sont venus avec un blessé grave. C'était horrible à voir, vraiment. 4h30 après la décision du président Hollande, le premier soldat français décède. Je l'ai mis dans mon bureau, qui était à côté, climatisé. À 21h15, il y a un Cessna qui vient d'embarquer le corps et le blessé. L'avion a décollé de Mopti vers 21h30 pour Paris. Après les hélicoptères, des Mirage 2000 de l'armée de l'air entrent en action. Ils vont lâcher leurs bombes sur les positions ennemies autour de Kona. Dès la fin de la première journée, l'offensive des djihadistes est stoppée. Au premier soir de l'intervention, la colonne est donc stoppée. Mais pourquoi envoyer des gazelles, ces vieux hélicoptères, pas blindés, qui doivent voler bas pour tirer et qui sont donc plus vulnérables? On n'est pas les seuls à se poser cette question. Les parlementaires, membres de la commission de la défense, ont élaboré ce rapport sur l'opération Serval. Et dans ce rapport, il souligne la vulnérabilité intrinsèque des gazelles. Et quelle est la réponse de l'armée? Eh bien, le général Gomard, qui est le patron des forces spéciales, lui, il assume son choix.
Pour lui, c'est l'urgence qui prime. Il faut arrêter les djihadistes le plus rapidement possible. Et ces gazelles qui sont positionnées au Burkina Faso sont à seulement 2h30 de Conakry. Mais en fait, il y avait une autre possibilité, parce qu'en 2013, la France dispose de Mirage 2000 qui sont basés au Tchad. Ces engins volent beaucoup plus haut et plus vite que les gazelles des forces spéciales et hors de portée des tirs des djihadistes. Alors, ces Mirages pouvaient intervenir en 3h30 à Kona. 3h30 donc pour les Mirages, 2h30 pour les gazelles. La question se pose, et même des militaires se la posent bien sûr hors caméra, était-on vraiment à une heure près pour frapper les colonnes de djihadistes? Oui, et puis il y a une autre différence entre les chasseurs de l'armée de l'air et les hélicoptères des forces spéciales. Les forces spéciales, elles peuvent engager le combat dans la plus grande discrétion. Elles n'ont pas besoin que la France soit officiellement engagée dans un conflit, comme elles le font aujourd'hui en Libye, en Irak ou en Syrie. C'est l'autre interrogation de cette première journée. À quelle heure ont vraiment commencé les frappes? Pour l'armée française, c'est clair, elles ont débuté dans l'après-midi, mais vous êtes allé sur le terrain et vous avez entendu une autre version. Oui, à Kona, des habitants nous racontent que les frappes françaises auraient débuté dès le matin du vendredi 11 janvier. Drissa Maïga est agriculteur à Kona. Le matin du 11 janvier, alors que la France n'est pas entrée en guerre, il profite d'une accalmie dans les combats entre djihadistes et armées maliennes pour aller vérifier ses cultures. Il est à 300 mètres de sa maison quand il aperçoit un hélicoptère. Drissa Maïga retourne vers sa maison et constate qu'elle a été touchée, dit-il, par des tirs d'hélicoptères français. Sur place, d'autres témoins racontent des frappes de l'armée française dès le matin du vendredi 11 janvier. Les hélicos de combat faisaient cap sur Kona. Un hélico de combat avec des missiles, avec des mitrailleuses. Tout le monde sait ce que ça fait, c'est pas pour aller patrouiller. À partir du 11 déjà au matin, il y a eu des bombardements ou des frappes des hélicos français sur les résiduels ennemis qui se trouvaient déjà encore à Kona. Les autorités françaises maintiennent leur version. Il n'y a eu aucune frappe d'hélicoptère avant le déclenchement officiel de la guerre, le vendredi après-midi, ni aucune victime collatérale. Très clairement, là-dessus, je peux être tout à fait définitif, les premières frappes ont lieu à 16h via le détachement des forces spéciales. Il n'y a pas de frappe avant la décision du président de la République qui est prise pendant le Conseil de défense qui, lui, se tient à 11h30 à l'Élysée. Deux versions s'opposent. Celle des Maliens, celle des Français, qui démentent tout dommage collatéral. 3 ans après, où en est-on? Alors depuis 3 ans, la famille Maïga, qui affirme que 4 de ses membres ont été tués, ne se résigne pas. Elle cherche à obtenir réparation auprès des autorités françaises. Alors elle s'est par exemple tournée vers l'ambassade de France à Bamako ou vers des bases militaires françaises au Mali. Mais après toutes ces démarches, elle s'est finalement vue opposer par un procureur malien ce document. Alors c'est un SOFA. C'est en français un accord sur le statut des forces militaires. Il est signé entre la France et le Mali et précise notamment le statut juridique des soldats français lorsqu'ils interviennent sur le sol malien. Ça signifie que quand la France entre en guerre, elle signe des contrats. Effectivement, et ce contrat prévoit toutes sortes de choses, toutes bêtes et très concrètes, comme par exemple que les soldats français ont le droit de conduire avec leur permis français sur le sol malien. Mais il y a aussi un article, pour le coup, là, qui m'a davantage étonnée. C'est l'article 9 qui dit que la partie malienne prend à sa charge la réparation des dommages causés aux biens ou aux personnes, y compris lorsque la partie française en est à l'origine. Autrement dit, si la France tue des civils, par exemple lors de raids,
elle n'est pas juridiquement responsable. Non, la famille Maïga ne peut pas se retourner contre la France pour obtenir réparation. Elle ne peut se retourner que contre l'État malien. Exactement, c'est le Mali qui doit prendre à sa charge toutes les indemnisations, même si la famille Maïga arrivait à prouver que les Français sont responsables de ces frappes. Et qu'a-t-elle obtenu ? Alors pour l'instant, la famille Maïga n'a rien obtenu. Alors ça peut paraître choquant, la lecture de cet article, mais la réalité est la suivante, c'est que la France décide de s'engager pour sauver les institutions maliennes. La contrepartie, c'est qu'effectivement, s'il y a des dommages collatéraux, ce qui se produit dans pratiquement toutes les opérations militaires, on ne voudrait pas que les soldats français soient poursuivis par une juridiction nationale ou internationale. Jean-Yves Le Drian n'a pas fermé l'œil de la nuit. Dans quelques heures, il doit faire devant la presse un bilan des opérations au Mali. Le ministre doit gagner l'adhésion des Français à cette guerre. Donc je décline tout ça pour penser que ça n'avait pas les emmerder. Bon. Entouré de ses principaux conseillers, il passe en revue les éléments de langage, pèse chaque mot. L'Union européenne est mobilisée, c'est un peu gonflé de ma part, mais... Non, puisqu'il y a un conseil d'affaires étrangères. Il va prendre des décisions. Ouais, exact. Je vous rappelle que la donne a changé. Ouais. Voilà, c'est ça. L'agression caractérisée des Les enjeux de communication sont absolument fondamentaux parce que l'opinion doit comprendre et adhérer à l'opération qui est en cours. C'est absolument fondamental pour la réussite même de l'opération. Donc oui, nous devons être extrêmement précis et d'expliquer ce qui est en train de se placer, c'est vrai, pour un pays, dans un pays qui est malgré tout relativement lointain dans le quotidien de chacun d'entre nous. À 65 ans, ce fidèle du président Hollande est spécialiste depuis toujours des questions de défense. C'est sa première guerre, un premier soldat est mort. Bien, mesdames, messieurs, je viens devant vous ce matin avec le chef d'état-major des armées dans une situation de gravité. La France s'est engagée dans un combat sans merci contre le terrorisme où qu'il se trouve. Malheureusement, l'un de nos pilotes, le lieutenant Boiteux du 4e RHC de Pau, a été mortellement blessé. J'en viens maintenant au deuxième théâtre. Le ministre parle d'un deuxième théâtre. Il révèle que la veille, une autre opération ultra secrète a eu lieu en Somalie. On est à 6000 km du Mali, à l'autre bout du continent africain, et la DGSE tente de libérer un otage. Et cet otage, il a un statut particulier. Effectivement, cet otage, c'est Denis Alex. Il appartient à la DGSE, il est membre du service Action et depuis 3 ans et demi, il est retenu en captivité par un groupe islamiste, les Chebab. Depuis, la DGSE mobilise de gros moyens pour essayer de le libérer. Et elle va finir par le localiser. Denis Alex va finalement être localisé à 100 km au sud de la capitale somalienne, Mogadiscio, dans ce petit village de Boulomarer. Et en décembre 2012, François Hollande va donner son feu vert à l'opération de libération. Cette opération, elle a un nom, c'est l'opération Musisi. Cette tentative de libération, elle a lieu le même jour que le lancement de la guerre au Mali. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? Selon les autorités, il y aurait des raisons bien précises. C'est une nuit dite de niveau 5, c'est-à-dire une nuit noire absolue, parce que les coefficients de marée sont également favorables et parce que les conditions météorologiques telles qu'on pouvait les attendre étaient idéales. Et donc, c'était oui, cette nuit du 11 au 12 janvier à 3h du matin, que se trouvait le moment idéal pour intervenir en Somalie. Évidemment que c'est un hasard total qui a fait que les 3 mouvements djihadistes au Mali, qui ne sont absolument pas reliés aux Chebab de Somalie, il n'y a aucune histoire à se raconter dans ce domaine-là, eux décidaient de foncer vers le sud. C'est le hasard complet de la petite et de la grande histoire. Des combats d'une grande violence se sont déroulés, d'une grande violence, au cours desquels, je parle maintenant avec précaution, tout donne à penser que malheureusement Denis Alex a été abattu par ses geôliers. Un soldat a perdu la vie,
à la suite de blessures et un soldat est porté disparu. En fait, ce soldat a été tué. Il y a donc 3 morts. C'est un fiasco. Et surtout, en 24 heures d'une guerre contre le terrorisme qu'il essaye de vendre aux Français, Jean-Yves Le Drian doit déjà annoncer 4 morts. Au deuxième jour de l'intervention, la cellule de crise Mali doit en priorité organiser la reprise des villes du Nord. Le CPCO s'appuie sur le système d'alerte Guépard. 5000 soldats français prêts à partir à tout moment, n'importe où dans le monde. À leur tête depuis un an et demi, le général Bernard Barrera. Je reçois un coup de téléphone du CPCO, donc de Paris, me disant « Attention, on va déclencher l'alerte Guépard, donc après toi, mettre tes unités en place. » Je rejoins tout de suite mon PC qui était à quelques centaines de mètres de mon domicile, à Clermont-Ferrand, et j'appelle mes 5 colonels en disant « Pour l'instant, on ne sait pas quelles unités, mais on est dans du réel, et apprêtez-vous à partir et à prévenir vos capitaines pour qu'ils préviennent eux-mêmes leurs soldats. » En quelques heures, les premières unités sont prêtes à partir. Elles quitteront la France au bout de 2 jours. Le général Barrera, lui, va attendre 9 jours pour rejoindre le Mali. Car les logisticiens du CPCO sont confrontés à des problèmes d'acheminement des hommes et du matériel. L'armée manque d'avions de transport. À l'hôtel de Brienne, le ministre en personne prend son téléphone pour en trouver. Il fait le tour des alliés, dont les Américains. On nous proposait de louer des heures de vol. Un coup de téléphone, disons viril, mais correct, entre Jean-Yves Le Drian et Leon Panetta, le ministre de la Défense américain à l'époque, a permis de débloquer la situation en quelques minutes. Le ministre explique à son homologue que les Russes, eux, proposent de prêter gracieusement leurs avions. Et les avions américains nous ont été prêtés et non pas loués. Derrière cette anecdote des avions prêtés bon gré, mal gré par nos alliés américains, il y a une réalité, la France n'a pas tous les moyens de ses ambitions. Oui, en fait, pour des raisons budgétaires, la France a choisi de ne pas avoir de gros avions de transport. Donc du coup, elle ne peut pas vraiment se projeter seule sur un théâtre de guerre. Et pourtant, il va falloir envoyer beaucoup de monde et de matériel. En fait, entre le début de l'intervention, le 11 janvier, et la fin du mois de février, la France va envoyer sur place environ 6000 personnes et un peu plus de 10000 tonnes de fret par avion. Sur ce total, en fait, 95% de ce fret va être envoyé dans des avions étrangers. Il y a les avions des alliés, bien sûr, les Canadiens, les Américains qui participent à l'opération, mais surtout, majoritairement, il y a des vols qu'on loue à des compagnies russes et ukrainiennes. Avec quelle facture ? En fait, ça va correspondre à peu près plus de 60 millions d'euros. En gros, ça représente 350 000 euros par vol. Après les premières frappes pour arrêter les pick-up, le CPCO veut détruire les bases arrières des djihadistes dans le nord du Mali. Grâce à 3 ans de surveillance et de renseignement, il a identifié 60 cibles prioritaires. Ses objectifs sont transmis au colonel Damien. Il commande le premier escadron de Rafale envoyé au Mali. Ce sont des postes de commandement des groupes terroristes dans la région de la boucle du Niger, au centre du Mali. Et ce sont des dépôts logistiques, des dépôts de carburant, des dépôts de munitions. Et ce sont également des camps d'entraînement des groupes terroristes. L'escadron du colonel Damien est obligé de faire un détour. Car les premiers jours de l'intervention, l'Algérie refuse d'ouvrir son espace aérien à la France. Ce raid de 9h35 est le plus long de l'histoire des Rafales. Les pilotes ont prévu 5 ravitaillements en vol. 411, 605, complet, disconnect de gauche. 605, complet. On vient par la droite de Cap 140. En milieu d'après-midi, ils larguent leurs 24 bombes sur la région de Gao. Combien de temps encore ? 7 secondes. Ok, contact.
L'Algérie a interdit le survol de son territoire. C'est une manière de montrer publiquement qu'elle ne cautionne pas l'intervention au Mali. Pourquoi ? Pour des raisons de politique intérieure. Les autorités algériennes ne sont pas mécontentes de montrer à leur opinion publique qu'elles tiennent tête à l'ancien colonisateur français. Et puis, Alger entretient une relation complexe avec les groupes djihadistes. C'est-à-dire ? Eh bien, il ne faut pas oublier que les principaux responsables d'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, sont d'origine algérienne. Ce sont les héritiers des GIA, ces fameux groupes islamiques armés qui semaient la terreur dans l'Algérie des années 90. Alger, surtout, ne veut pas se les mettre à dos. Et hors caméra, des conseillers ministériels ont été très clairs. Selon eux, il y aura un genre d'accord tacite entre Alger et les leaders djihadistes. Vous ne commettez pas d'attentats sur notre territoire, et en contrepartie, on ne vous fait pas la guerre. D'ailleurs, certains djihadistes trouveraient même refuge dans le sud algérien. Finalement, sous la pression de la France, l'Algérie va autoriser les avions français à survoler son territoire, mais en toute confidentialité. Ça ne doit pas sortir, mais ça va sortir. Nous intervenons dans le cadre de la légalité internationale. Le nombre des soutiens est dans les médias. Laurent Fabius est interrogé sur le sujet. Pour le moment, est-ce que l'Algérie vous soutient ? Alors, nous avons eu des contacts avec l'Algérie. L'Algérie a autorisé sans limitation le survol de son territoire, ce qui est quelque chose de significatif, dont je remercie les autorités algériennes. Et aujourd'hui, j'ai été amené à dire que il y aurait un survol. Bon. Mais peut-être que je n'avais pas pris les précautions nécessaires. Et est-ce que j'ai fait une boulette ? J'en sais rien, mais ça n'a pas eu grande importance. Ça braque les Algériens. Les Algériens n'aiment pas qu'on mette ça sur la place publique. Donc oui, les Algériens se braquent. C'est parce que la frénésie de communication fait que tout n'est pas bordé. Et on fait des bourdes. Trois jours plus tard, une des cibles des militaires français au Sahel, Mokhtar Belmokhtar, dit le Borgne, revendique l'attaque contre le site gazier d'Inamenas en Algérie. 800 otages, 40 morts. L'attaque a été planifiée avant le déclenchement de Serval. Mais les terroristes s'en servent comme prétexte. Ils visent l'Algérie, disent-ils, car elle a ouvert son espace aérien à la France. Le colonel Paul et 900 hommes, les premiers arrivés sur le terrain, sont toujours cantonnés à l'aéroport. Ils attendent encore du matériel et des munitions. Seule une compagnie de 140 soldats fait route vers le nord pour prendre le relais des forces spéciales. Elles n'ont pas cessé d'avancer. Leur mission, empêcher les djihadistes de gagner du terrain. En 10 jours, avec seulement 250 hommes, elles ont investi 5 villes. C'est quand même une drôle de guerre. Si on a bien compris, au 10e jour de l'intervention, seules les forces spéciales mènent les combats, 250 hommes, pas plus. Oui, ça peut paraître incroyable, mais il faut dire que les forces spéciales sont particulièrement adaptées à ce genre de conflit dans lequel l'ennemi est très mobile, il fuit, et surtout, elles ont une supériorité technologique. C'est-à-dire ? Alors vous allez le voir sur cette vidéo tournée par l'armée, qu'on a fait décrypter par un ancien de ses soldats d'élite. C'est la vidéo d'une opération. Exactement. On aperçoit des commandos au sol, ils sont en train de s'approcher d'un buisson. Dans ce buisson, deux silhouettes blanches, ce sont des djihadistes. Mais comme les forces spéciales ont des jumelles de vision nocturne, elles peuvent voir sans être vues. Et donc elles peuvent s'approcher au plus près. Tout près de l'ennemi. Et surtout, ces commandos au sol ne sont pas seuls. Au-dessus d'eux, il y a un hélicoptère de combat. Et d'ailleurs, c'est lui qui fait ces images. Et au-dessus encore, il y a un avion d'observation qui, lui, ne participe pas au combat, mais fournit des renseignements aux commandos et à l'hélicoptère. Donc c'est un dispositif à trois étages. On appelle ça une opération combinée. Et voilà ce que l'avion d'observation va filmer. Des tirs de roquettes de l'ennemi qui frôlent de peu l'hélicoptère Tigre. Les djihadistes fuient, là on en voit deux. Et c'est l'hélicoptère qui va les prendre en chasse. Voilà, l'hélicoptère, là, les prend en chasse, frappe et les élimine. Et ces forces spéciales n'ont pas fini de jouer les premiers rôles. Et non, car l'état-major va confier à ces forces spéciales la prochaine étape stratégique de cette guerre.
Les officiers du CPCO sont mobilisés sur la prise de la ville de Gao, sur le fleuve Niger. Fief de l'un des mouvements terroristes, le Mujao, elle est stratégique pour la reconquête du Nord Mali. Dans notre idée, c'est partir de Sévaré Mopti, aller prendre Gao, puisqu'il y a un pont, le seul pont en dur qui traverse le Niger, et puis de remonter vers la frontière au nord du Mali pour empêcher les djihadistes de s'enfuir vers l'extérieur, vers le Niger, vers l'Algérie, etc. Un ordre venu de l'Élysée chamboule des mois de planification. François Hollande veut Gao, mais il demande aussi Tombouctou. Et il veut aller vite. Il leur donne 10 jours. Tombouctou, c'est aussi un objectif vis-à-vis de l'opinion publique française. C'est la ville la plus connue du Mali à travers le monde. Et parce que son poids à la fois culturel et symbolique frappe et a frappé l'ensemble de la population internationale quand on a su qu'elle était aux mains des djihadistes. Et donc la reprise de Tombouctou est une véritable prise de guerre, même si elle est symbolique. Effectivement, reconquérir Tombouctou, ça a du sens politique, même si militairement, ce n'est pas notre plan au départ. On n'est pas payé pour dire ça n'a aucun intérêt d'aller à Tombouctou. Nous, notre boulot, c'est de rendre possible la volonté politique. En termes d'efforts, de coordination, ça oblige à revoir le plan. C'est votre client au restaurant qui change d'avis alors que vous êtes déjà en train de faire la cuisine, qui vous dit en fait, je voulais pas de la viande, je voulais du poisson. Le général Barrera, chef de la brigade Serval, est arrivé au Mali avec son PC de 92 officiers. Le CPCO n'a pas eu le temps d'entrer dans les détails du raid sur Tombouctou. C'est donc lui qui décide de la route à prendre. On se dit, bon, par où passer? Et donc là, il y a trois options. Soit la route goudronnée qui arrive directement sur Tombouctou. Mais le seul problème, c'est que vous avez le fleuve entre Tombouctou et vous, et il n'y a pas de pont, il y a juste des bacs, et vous ne connaissez pas l'état des bacs. La deuxième solution, c'est de faire tout le tour en passant par Gao du fleuve Niger et d'arriver donc par l'est de Tombouctou. C'est long et vous ne connaissez pas non plus la route, enfin en tout cas la piste de sable qui se situe de ce côté-là. Et puis finalement, vous avez la route qui est la plus sûre, mais qui est en même temps la plus, on va le dire, la plus dégueulasse, parce que c'est du sable, c'est des marécages. Et c'est aussi la route qu'a pris Joffre au siècle dernier pour prendre Tombouctou. Donc historiquement, je me dis, si les anciens sont passés par là, c'est aussi parce que c'était certainement la meilleure route à prendre. Une colonne Serval quitte Bamako. 400 hommes et 130 véhicules pour un raid de 1000 km à travers le désert. Les hommes du colonel Paul ont 4 jours pour atteindre Tombouctou. Mais une nouvelle consigne arrive de Paris. Le président leur donne 2 jours. Il faut encore accélérer. Le président suit les opérations chaque jour pour voir où en sont les différents déplacements, les avancées de l'armée française sur le terrain. Et donc, il insiste à chaque rencontre avec les responsables militaires ou du ministère de la Défense pour aller vite. En cours de route, les hommes du colonel Paul doivent intégrer une unité de l'armée malienne. Une autre consigne de Paris. Notre mission principale, c'est pour Tombouctou, d'accord ? Faut pas qu'on oublie ça. Okay. Ensuite, on pourra lancer des fouilles à droite. Okay. Nous ne voulions pas, nous, que notre intervention soit perçue comme l'intervention
d'une puissance extérieure, d'un occupant, parce que ça aurait été, non pas immédiatement, mais à terme, l'échec absolu. Donc les instructions qui ont été données, c'est qu'à chaque fois que c'était possible, nous opérions avec les forces maliennes. C'est une question politique, de stratégie. Tout, ça, c'est à peu près 3, je peux te guider jusqu'à là. Mais l'armée malienne manque de moyens et d'expérience. Ils sont morts à l'intérieur ? Ils sont morts. Un soldat malien s'est malencontreusement tiré une balle dans le pied en retirant son arme. Putain. Il faut que tu dises à tes hommes de faire attention à ça. Même tout de suite, j'ai parlé de ça. Ouais, ouais. Enlevez-la, s'il te plaît. Enlevez-la, s'il te plaît. Et là, on a perdu presque une heure pour savoir ensuite ce qu'on allait faire de ce blessé. À ce moment-là, le chef doit prendre une décision. Donc un seul blessé, un blessé, c'est blessé malien. Le soldat malien est confié à un hôpital local. La colonne reprend sa route. À Paris, l'état-major suit la progression de la colonne grâce aux drones. À l'arrière, les véhicules logistiques les plus lourds s'enlisent. L'Élysée s'impatiente. J'aurais été ravi d'ailleurs que les penseurs stratégiques de certains cercles parisiens soient venus m'encourager de leur conseil, hein. J'aurais été ravi qu'ils viennent aussi avec moi pour comprendre que le terrain commande. Le terrain commande. Les plus belles idées parisiennes se heurteront toujours à la réalité du terrain, et le terrain, là, c'était le sable. L'objectif présidentiel de prendre simultanément Gao et Tombouctou le lendemain est hors d'atteinte. À Paris, les militaires doivent rendre des comptes. Trois fois par jour, ils sont convoqués avec des conseillers et des diplomates dans le bureau du directeur de cabinet, Cédric Lewandowski. Peu habitués à ce que les politiques interviennent autant dans la conduite de la guerre, certains le surnomment ironiquement le général Lewandowski. Je le prends comme un hommage et je suis très fier. Je ne me prends pas pour un chef de guerre. Je suis le directeur de cabinet civil et militaire du ministre de la Défense en charge de faire en sorte que le ministre de la Défense soit toujours extrêmement précis et extrêmement juste pour aider à la décision du président de la République. Au 15e jour d'opération, les forces spéciales roulent vers la ville stratégique de Gao. 150 hommes très mobiles qui ont parcouru 400 km en deux nuits. Sans attendre les renforts d'une colonne Serval partie de Bamako, ils reçoivent l'ordre d'attaquer les deux points clés de la ville. Gao était assez compliqué parce qu'il y avait à la fois le pont sur le fleuve Niger et l'aéroport. Les deux étaient tenus par des groupes armés terroristes. Donc on a monté une manœuvre en même temps, prise du pont par le sol et par la route, prise de l'aéroport par les airs avec un posé d'assaut. Michel, 30 ans, commande une quarantaine d'hommes des forces spéciales chargés de prendre le pont à l'entrée sud de la ville de Gao. Si jamais le pont est détruit, ou alors si le pont reste aux mains des djihadistes, il va falloir monter une manœuvre extrêmement coûteuse en temps pour franchir le Niger, en sachant qu'il n'y a pas de pont sur plusieurs centaines de kilomètres, que ça va donc grandement complexifier l'opération Serval, et surtout que ça va laisser le temps aux djihadistes de préparer une manœuvre défensive à base d'embuscades, de mines et d'engins explosifs improvisés. Les djihadistes ont installé leur checkpoint à l'entrée sud du pont, dans une zone habitée. Pour les Français, des frappes aériennes au milieu de la population seraient trop risquées.
peu nombreuses, les forces spéciales comptent sur l'effet de surprise. Par drone, elles repèrent une butte de terre à l'extérieur de la ville. À 23 h, les forces spéciales se prépositionnent sur ce point haut. L'ennemi ne s'attend pas à un assaut aussi imminent. On les voit arriver et se déployer devant nous. On est au maximum de nos capacités de vision. Le groupe d'assaut est en ligne. L'ennemi se comporte donc comme si nous n'étions pas là. Les djihadistes ont prévu de tendre une embuscade à l'endroit même où sont postées les forces spéciales. Lorsqu'ils arrivent à 5 mètres, les premiers échanges de tirs ont lieu. Il est 23h30. En moins de 2 minutes, on a neutralisé l'essentiel du groupe. Quelques minutes après, une très forte déflagration et un éclair devant nous nous surprend. Cette explosion, c'est le véhicule qui était au bord de la route, qui était en fait un véhicule piégé. Destiné à nous arrêter pour faciliter l'embuscade ennemie. Les djihadistes installés sur le checkpoint entendent l'explosion. Certains fuient vers Gao en empruntant le pont, d'autres se cachent. Ensuite, il nous reste à progresser jusqu'au pont. Il y a 1,5 km. Et dans ce 1,5 km, il y a les éléments qui se sont réfugiés dans la multitude de maisons de cette zone périurbaine. Et donc là, la progression est plus compliquée parce qu'on n'a pas affaire à une position ennemie identifiée. On a des tirs sporadiques, on est harcelé, et donc on doit progresser de manière très méthodique. À 1h du matin, l'unité du commandant Michel s'empare du pont. Cette même nuit, malgré des véhicules qui obstruent la piste, un avion des forces spéciales se pose sur l'aéroport. Sans même couper ses moteurs, il débarque un commando et repart aussitôt. L'aéroport est pris sans résistance. En tant que patron des forces spéciales, j'ai pas voulu rentrer dans la ville. Pourquoi ? Parce qu'on rentrait dans une autre forme de combat et qui n'était pas le mien. Moi, j'étais en mesure de prendre rapidement le pont et l'aéroport et ensuite d'attendre que des forces, j'allais dire, plus conventionnelles et plus lourdement équipées puissent venir pour tenir le terrain. Sur le front de Tombouctou, à la date imposée par Paris, les véhicules de tête du colonel Paul sont encore à 200 km de la ville. Le convoi s'étend sur une centaine de kilomètres. Le retard s'accentue. Les véhicules sans sable et les véhicules logistiques qui sont extrêmement lourds sans sable deux fois plus. Dans la journée du 26, ma colonne logistique a fait 800 mètres en 11 heures. On a décidé de couper la colonne en deux et de dire à ce moment-là, il y aura une colonne qui partira et qui foncera encore plus vite sur Tombouctou pour arriver le 27, puisqu'on n'y arrivera pas le 26. Et le convoi logistique, lui, servira, ensuite on arrivera en deuxième échelon, arrivera même si c'est 24 heures après. Les rafales assurent la couverture aérienne des forces françaises qui marchent vers Tombouctou. Le colonel Damien survole la ville. Nous avons observé un certain nombre de pick-up qui quittaient précipitamment la ville de Tombouctou. Donc ce sont effectivement des indications qui pouvaient laisser penser qu'il y avait un repli définitif vers le nord-est du Mali de la part de nos adversaires. Les informations convergent. L'ennemi semble avoir pris la fuite. Pourtant, l'Élysée insiste pour un déploiement militaire de très grande ampleur. En plus des blindés du colonel Paul, les parachutistes de la Légion étrangère sont mobilisés. Le 27 janvier à 23h, les blindés du colonel Paul s'apprêtent à prendre l'aéroport de Tombouctou. Fermez les portes. Pour coordination entre
Au même moment, 246 parachutistes sautent sur la ville. L'un des deux drones dont dispose l'armée au début de cette guerre a été réquisitionné spécialement pour filmer l'opération. Ces images seront distribuées aux chaînes de télévision. Au petit matin, les habitants fêtent l'arrivée des Français. Tombouctou est tombé sans un coup de feu. Au 18e jour de l'intervention, les soldats de l'armée conventionnelle n'ont toujours pas affronté l'ennemi. À Paris, Jean-Yves Le Drian arrive à l'Élysée pour un entretien avec le président. Il est détendu. La ville de Tombouctou est tombée. On a fait des parachutages cette nuit et les forces françaises et maliennes tiennent Tombouctou. Et vous venez lui annoncer? Je lui ai déjà prévenu ce matin, enfin cette nuit. Bon, bah, tu félicites aussi les militaires. Hein, donc, ouais. Non, je trouve. La manœuvre était bonne. Malgré les... Oui. Euphorique, François Hollande veut se rendre à Tombouctou dans les 48 heures. Son cabinet lui demande 5 jours pour organiser le voyage en toute sécurité. À Tombouctou, une foule immense attend François Hollande. Le colonel Paul est en charge du dispositif de sécurité sur l'aéroport. 3 ou 4 minutes avant que l'avion qui a amené le président n'atterrisse, le gouverneur de Tombouctou est arrivé avec une dizaine d'habitants de Tombouctou et un chameau qu'il comptait, m'annonce-t-il, offrir au président, puisque c'est la tradition, lorsqu'une haute personnalité vient, on offre un chameau. Et donc, 3 minutes avant que l'avion ne se pose, j'ai mon chameau et je ne sais pas quoi en faire. Aux côtés de François Hollande, le président malien Traoré, suivi des ministres Jean-Yves Le Drian et Laurent Fabius. C'est pas le chameau qui pose des problèmes sécuritaires, c'est tous les gens qui vont entourer le président au moment où il se voit offrir le chameau. Donc, au niveau sécurité, il va falloir prendre ça en compte. Je l'utiliserai autant que je pourrai comme moyen de transport. Je me souviendrai longtemps. Le président a fait savoir qu'il souhaite s'entretenir avec les chefs militaires du terrain, mais en privé. Pendant le GTA. Il s'agit d'organiser une mini-cellule de crise, mais à laquelle on ne peut pas associer le président malien. Donc il va falloir trouver une manière de soustraire le président à l'ensemble du dispositif, et notamment de son homologue. Et donc il est prévu que le président ait envie d'aller aux toilettes, et je l'accompagne donc... à l'intérieur de l'aéroport. Et donc là, on se retrouve dans une cellule de crise, face à une petite carte. C'est le seul moment où j'ai un contact en tant que chef tactique avec le chef politique, qui est le chef des armées. Et là, bon, je pourrais pas vous donner ces mots, mais très clairement, c'était sans aucune ambiguïté. C'était bravo pour ce que vous avez fait honneur à la France, et maintenant, je vous demande de continuer, de trouver l'ennemi, et si vous le trouvez, de le détruire. François Hollande fait la tournée des monuments symboliques de la ville. Ceux qui ont été ciblés par les djihadistes. Et ça, c'est à leur portée, ça. Dans les retraites, ils se sont pris à mettre du feu là-dedans. Le président termine son voyage à Bamako. Il y est accueilli en héros. Nous étions là, nous entourions le président de la République. Et juste en face de nous, il y avait un écriteau qui était ça, que j'avais en face de moi. Alors, il y avait marqué « Merci à Papa Hollande et au tonton
Le Drian et Fabius. C'était juste en face de moi. Sur le moment, c'est assez indicible. Bon, c'est plus simple que ça, on se dit qu'on a été utile. Sur la place de l'Indépendance, François Hollande prononce un discours, dont une phrase va devenir célèbre. Et moi, je veux ici vous dire que je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique. Cette phrase, c'est lui qui l'improvise au moment du discours. Je crois qu'il est gagné par l'émotion qui est visible sur l'ensemble des participants et en particulier la foule de Bamako, qui lui témoigne beaucoup d'affection à ce moment-là. L'enthousiasme des Maliens vis-à-vis de François Hollande sera de courte durée. La question des Touaregs, ces tribus berbères qui vivent au nord du Mali, va semer la discorde. Pendant qu'on célèbre la reprise des grandes villes, les forces spéciales continuent d'avancer. Elles sont alors à Kidal, à près de 1000 km au nord-est de Tombouctou. Oui, cette ville, Kidal, c'est le bastion des Touaregs. C'est la capitale de ce qu'ils appellent l'Azawad. L'Azawad, c'est un territoire plus grand que la France et dont ils réclament l'indépendance. Ça fait 50 ans que des combats meurtriers en fait, opposent les autorités de Bamako aux indépendantistes Touaregs. Et là, une question délicate va se poser pour les Français à propos d'un de ces groupes Touaregs, le MNLA. Absolument, le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad. En fait, en 2012, le MNLA, ce mouvement, s'allie avec les djihadistes pour chasser l'armée malienne de tout le nord du pays. Et puis les alliances vont se retourner, les djihadistes vont eux-mêmes chasser le MNLA du pouvoir, les anciens alliés deviennent ennemis. Et lorsque Serval débute, le MNLA propose d'aider les Français. Mais c'est un mouvement sulfureux. Oui, ils ont été proches des djihadistes, ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU, mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA, sans le dire officiellement à ce moment-là, au titre d'un vieux dicton, « Les ennemis de mes ennemis sont mes amis ». Le MNLA propose d'aider les Français, mais il pose une condition. L'armée malienne ne doit pas entrer dans Kidal. Les Français doivent venir seuls. À l'ambassade à Bamako, Christian Rouillet est catégorique. Il ne faut pas se compromettre avec les rebelles Touaregs. Pour nous, la principale menace est ACMI et la mouvance djihadiste. Mais pour les Maliens, c'est le MNLA qui est la première menace. Pourquoi ? Parce que c'est le MNLA qui a lancé l'offensive et c'est le MNLA qui conteste l'unité du Mali. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer à Paris en disant « Attention, il faut éviter de se compromettre avec le MNLA. » Mais le Quai d'Orsay passe outre les recommandations de l'ambassadeur. Les choses ne peuvent pas toujours être d'une limpidité absolue. Bon, ce qui est les mouvements terroristes, nous refusons de travailler avec eux. Mais il y a des personnes qui sont dans une situation un peu intermédiaire, et là, le rôle de nos services, c'est d'essayer de les amener du bon côté. Quelques semaines après la reprise de Kidal, l'ambassadeur Christian Rouillet, qui s'est publiquement opposé à la collaboration avec les rebelles Touaregs, sera démis de ses fonctions. Comme convenu avec le MNLA, les forces spéciales ont pris le contrôle de la ville sans associer les soldats maliens. L'armée malienne n'a pas réellement pris possession de Kidal comme ailleurs, parce que l'armée française s'est interposée. Alors il faut qu'on nous explique. Il faut qu'on nous explique. Moi, je suis militaire. Mon combat était de neutraliser les groupes armés terroristes. Donc toutes les bonnes volontés pour lutter contre les groupes armés terroristes sont les bienvenues. Cette région est celle des Touaregs, qu'ils connaissent bien mieux que les forces spéciales françaises qui arrivaient et qui n'avaient jamais été pour certaines d'entre elles dans cette partie du monde. Donc il fallait dialoguer avec eux. Les forces spéciales
ne se sont pas contentés de dialoguer avec le MNLA. Et non, au Mali, nous avons rencontré un combattant MNLA. Il est Touareg, originaire de Gao, et il a été enrôlé par les djihadistes quand ceux-ci ont pris la ville de Gao. Puis, il a changé de camp, il s'est allié au MNLA. Et il vous a raconté des choses qui ne figurent pas dans l'histoire officielle. Fin janvier 2013, quand les forces spéciales entrent à Kidal, ce combattant MNLA va proposer ses services aux forces spéciales, et ils acceptent. On a collaboré avec les Français, on a partagé la ville ensemble. Moi, je suis un guide. Je suis avec le capitaine Eric là. Il fait partie des forces spéciales. Je travaille avec eux pour me payer par jour même. Chaque jour, on me paye 25 000 francs CFA. Qui est-ce qui vous paye? Eric. C'est l'armée française? C'est l'armée française, ouais, qui me paye. On sort même à Kidal, on est ensemble toujours. On fait toutes les missions ensemble. Malgré le soutien de combattants Touareg, la traque de l'armée française piétine. Les grandes villes du Nord ont été reprises, mais l'ennemi reste invisible. La surveillance aérienne et les missions de repérage sur le terrain ne donnent rien. Après 4 jours, la seule chose qu'ils ont vue, c'est un gardien de chèvre et un âne. On se dit, mais voilà, la guerre est finie, il n'y a plus de djihadistes. Où est-ce qu'ils sont partis? Ils sont tous évaporés. Le temps qu'on a consacré à Tombouctou, c'est celui qu'on a perdu dans cette course. On a arrêté de courir derrière les bandits, du coup, ils se sont échappés. Donc il y a un peu cette frustration. Est-ce qu'on va réussir non seulement à libérer le pays, mais aussi à détruire l'ennemi? Et pour détruire l'ennemi, il faut le trouver. Et donc, nous trouvons dans ce qu'on appelle, nous les militaires, le brouillard de la guerre. Le général Barrera envoie les parachutistes de la Légion étrangère quadriller le nord de l'Adrar des Iforas. Ce massif montagneux, très difficile d'accès, est connu pour être une zone de repli des djihadistes. C'est là aussi qu'ils détiendraient leurs otages. Face à des adversaires qui désormais ne fuient plus les combats, dans des conditions extrêmes, les soldats français vont livrer la première vraie bataille de cette guerre. Avec un double objectif, détruire l'ennemi sans mettre en péril la vie des otages. Christine Coapé est la sœur de Marc Ferret, otage d'ACMI depuis 2 ans et demi. Le point culminant de notre peur, ça a été lorsque les armées françaises sont arrivées dans le massif de l'Adrar des Iforas. Ce que l'on craint, les familles, c'est justement que les otages se trouvent sous le feu, et puis perdent leur vie. Les autorités, à ce propos, nous disent qu'elles vont faire le maximum, qu'elles vont essayer d'en tenir compte. Pour le CPCO qui coordonne les opérations, l'ordre est très clair. À aucun moment les otages sont pris dans le tempo des opérations. Le renseignement sur les otages, il interviendrait éventuellement en nous disant « Vous n'allez pas vous occuper de tel endroit, vous ne faites pas des frappes à tel endroit parce qu'on suspecte qu'il y a des otages. » Et ça n'arrive pas, ou en tout cas si ça arrive, je ne l'ai pas vu. La force Serval prépare la bataille de l'Adrar des Iforas depuis la base de Tessalit. Le général Barrera est convaincu que l'ennemi se dissimule dans l'Ametetai, la seule vallée du massif où l'eau est facilement accessible. Allez les gars, on percute les enfants, allez en avant! Chacun se déplace! Chacun se déplace! Le 19 février, après 15 jours de recherche, l'intuition du général Barrera se confirme. Les premières unités qui commençaient à grenouiller dans l'Adrar des Ifogas sont tombées sur une grosse embuscade de djihadistes qui protégeaient l'entrée de la Matetai. Donc là, on a eu des combats très durs avec notre premier mort. Donc on a compris que le nord était gardé. Dans ce guet-apens, le sergent-chef Harold Vormezel est tué. C'est le deuxième mort de Serval, mais l'ennemi est localisé. Très clairement, on s'est dit, quelle est la meilleure manœuvre pour pouvoir ensuite aller les chercher et détruire.
Donc on a fait en fait une opération en tenaille. Les blindés attaquent à l'ouest. Les parachutistes les surprennent par le nord. Et pour l'entrée est de la vallée, les Français font appel à l'armée tchadienne. Près de 2000 combattants tchadiens entrent en guerre aux côtés des Français dans cette nouvelle phase de l'opération. Et pourtant, cet homme, Idriss Déby, qui est à la tête du Tchad depuis 26 ans, n'était pas vraiment un ami de François Hollande. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. François Hollande s'est toujours montré très critique vis-à-vis d'Idriss Déby. Quand il était premier secrétaire du Parti Socialiste, il dénonçait sa légitimité très limitée et son régime qui bafoue les règles démocratiques. Et en tant que président ? Alors, en tant que président, c'est un peu la même chose. François Hollande l'évite soigneusement. Il a même annulé une visite qui était prévue depuis bien longtemps, qui devait se dérouler à l'Élysée le 8 octobre 2012. Le problème, c'est que quand Serval démarre, François Hollande, il est bien obligé de reconnaître que c'est lui, Idriss Déby, qui dispose de l'armée la plus puissante de la région. Du coup, en fait, il est un peu le seul à pouvoir l'épauler. Donc il redevient fréquentable. Oui, il redevient fréquentable et même, là, indispensable. Tous ceux qui étaient prêts à contribuer à cette lutte contre le terrorisme, le président était tout à fait d'accord pour qu'on travaille ensemble. Les Tchadiens ont une connaissance du terrain malien dans la mesure où il ressemble par sa géographie au terrain tchadien et donc ils ont une expérience militaire importante de guérilla, de guerre sur ce type de terrain. La collaboration avec les Français, les Tchadiens vont la payer très cher. En une seule journée, à l'entrée est de la vallée de la Mététaï, 27 soldats tchadiens vont être tués et plus de 70 autres vont être blessés. Fin février, 2000 soldats français combattent dans la Drare. Les logisticiens du CPCO doivent prendre en compte des températures extrêmes et un terrain particulièrement hostile. Et en fait, ce qu'on suit assez vite, c'est le taux d'indisponibilité médicale. Et donc, en fait, on voit jour après jour les chiffres des coups de chaleur, donc des soldats qui sont incapacités par coups de chaleur, qui montent. Des psychologues sont envoyés en soutien sur la base de Tessalite, ainsi que des aumôniers militaires. Jean-Jacques Danel est prêtre. C'est sa troisième opération extérieure. Je peux dire que je n'ai jamais senti autant de demandes de la part des militaires qu'en arrivant là-bas. Et même chez certains, c'était de l'ordre de l'attente. Enfin, vous arrivez, padre. L'aumônier recueille les confidences de soldats qui, pour la première fois, voient leur ennemi de près. Entendez bien. OK ? Moi, copain, d'accord ? Toi, tu vas te lever demain, comme ça. OK ? Vas-y, doucement. Allez, viens. Écartez le dispositif, on sait jamais. Ce jour-là, sous les cadavres, un survivant. On a découvert qu'en face de nous, il y avait non seulement des djihadistes, mais il y avait aussi des enfants soldats. Donc plus petits, qui portaient les gourdes, les munitions, et qui étaient engagés en première ligne. Là, c'était un choc psychologique. Voilà. Stop, bouge plus. Prends vêtements, lève. Bouge plus. Stop. Vêtements, Clovis. Viens. Retire. Allez, enlève. Les soldats craignent qu'ils portent une ceinture d'explosifs. OK. Pose ici. Voilà. Confirme le compte rendu. Hein. 4 personnels détruits et un prisonnier. Ce jeune garçon sera remis à l'armée malienne. Lorsque les soldats sont face à des enfants kamikazes, l'épreuve est beaucoup plus douloureuse. En quelques secondes, le soldat doit décider qu'est-ce que je fais. Est-ce que je le laisse s'avancer vers moi en sachant qu'il va sans doute actionner sa ceinture d'explosifs ou est-ce que je le, excusez-moi ce terme affreux, neutralise. Alors j'ai un souvenir assez net voilà, d'un de ces militaires. Voilà, militaire, c'est un Polynésien, un type très costaud, très grand. Et il était devant moi un peu comme un enfant. Parce que précisément, il avait dû tirer sur un enfant soldat. Et il m'a dit, Padre, je n'oublierai jamais ça de ma vie. Parce qu'après, je me suis dit, ce gamin, il pourrait être mon fils, il pourrait être mon petit frère. Et après, il a rajouté, il faut que je vous le dise à vous. Parce qu'une fois qu'on sera parti d'ici, je n'en parlerai plus jamais.
Pendant les trois premiers mois de conflit, l'armée française prend en charge 40 blessés psychologiques, presque autant que les 47 blessés au combat. La force Serval fait face à une résistance déterminée de l'adversaire. Au nord de la vallée de l'Ametetai, 130 parachutistes sont ralentis par une dizaine de djihadistes retranchés sur un piton rocheux. Deux assauts des Français sont repoussés. Malgré des tirs d'hélicoptère, 12 missiles et deux bombes de 250 kg, l'adversaire résiste. Le caporal-chef, Cédric Charenton, 26 ans, est mortellement touché à la tête. Après 9 heures de combat, les parachutistes renoncent et contournent par l'est. Un seul djihadiste a été tué, les autres prendront la fuite pendant la nuit. Il a fallu avancer de rocher en rocher, il a fallu passer ensuite derrière des massifs, escalader des bunkers de pierre. Et donc ça a été des combats très violents où il fallait éviter de se retrouver imbriqué. Quand je dis imbriqué, c'est que l'ennemi vous laisse passer et vous tire dans le dos. L'Adrar des Ifora s'est reconquis pas à pas, au prix de frappes massives. Sous cette pluie de feu, des Français. Quatre otages, dont Marc Ferret, qui se trouve aux mains des combattants d'ACMI. Des balles qui sifflent, des bombes qui vous tombent dessus, des hélicoptères qui vous tirent dessus. Ça tombe de partout, quoi. Gauche, tu redescends, tu les places sur la gauche, d'accord ? C'est zéro répit, c'est zéro nourriture, c'est rien. Et on était dans le groupe. Vêtus pareil qu'eux, avec un aspect physique identique à eux. Donc forcément, une cible potentielle pour tout militaire qui vient effectuer sa mission. Voilà, vous faites partie du groupe qu'il faut éradiquer. Moi, je me suis dit, ben voilà, profite de l'instant qui est là, parce que je pense pas qu'il y en aura d'autres. Les conditions de détention des otages vont encore se durcir. Jean fait partie d'une unité de renseignement chargée d'intercepter les conversations radio des djihadistes. Une mission confidentielle qu'il a accepté de raconter. Pour protéger son anonymat, nous avons reconstitué l'entretien. On était donc en poste à l'entrée d'une vallée, à écouter ce qui se passait, à écouter à côté de la vallée avant que le gros des troupes arrive, pour faire le nettoyage. Et on avait une concentration des missions qui allait toutes vers le même indicatif, vers le même mec. Donc on a compris que c'était quelqu'un de plutôt important parce qu'il y avait plusieurs sonnettes, plusieurs individus qui parlaient qu'à un seul mec. La localisation probable d'un chef djihadiste remonte jusqu'au CPCO. Elle recoupe des renseignements de la DGSE. Abou Zeid, un des leaders d'ACMI et ravisseur de Marc Ferret, serait présent dans le massif. Faut-il frapper au risque de tuer des otages? Après débat, l'état-major donne le feu vert au général Barrera. Et donc on a fait tirer très rapidement trois bombes antipersonnelles et 12 obus de canon César sur la position. Allez, allez, allez.
Il y a eu une première salve de tirs d'artillerie. Si je ne me trompe pas, il y a eu aussi des avions qui sont passés. Et après ça, silence radio. Sur toutes les ondes qu'on avait et les discussions qu'on entendait, c'était silence radio. Et une fois le silence passé, bah, les mecs ils disaient Abou Zaïd, Abou Zaïd, Abou Zaïd, Abou Zaïd. Donc ils l'appelaient par son nom, Abou Zaïd. Et là, on a compris que comme il ne répondait pas, il y avait de grandes chances que le mec il soit mal en point, soit il soit mort. Ce 27 février, les Français viennent donc d'éliminer cet homme-là, l'un des leaders djihadistes, l'un de ceux que les anglo-saxons appellent les HTV, les High Target Value. Oui, sauf que les Tchadiens, nos alliés à l'époque, affirment que c'est eux qui ont tué Abou Zaïd 5 jours avant les Français. Pour le prouver, ils vont publier cette photo. Donc Abou Zaïd a été tué 2 fois. En fait, personne n'a jamais pu confirmer que sur cette photo, c'est bien le leader d'ACMI. Mais la France va faire prélever l'ADN de la victime de la frappe dont parle Jean. Et cet ADN, elle va le faire comparer avec l'ADN de la famille d'Abou Zaïd en Algérie. Ils concordent. Mais pourtant, elle va attendre le mois de juillet pour confirmer la mort du leader terroriste. Et même à ce moment-là, elle ne va pas revendiquer en être à l'origine. Et pour quelle raison? Alors sans doute par prudence, parce qu'à l'époque, il y a encore 6 otages français qui sont aux mains des djihadistes. Après la mort d'Abou Zaïd, les ravisseurs parviennent à exfiltrer les otages de l'Adrar des Iforas, malgré les soldats français qui quadrillent le massif. On est sorti le matin, je dirais aux alentours de 8 heures, même pas avant, à découvert, à pied, dans une zone du massif très caillouteuse. Donc des roches, vous êtes pieds nus, vous courez, ça tire, ça. À plusieurs reprises, Marc Ferré a vu passer les soldats de Serval à quelques dizaines de mètres de lui. Il ne sera libéré que 8 mois plus tard, avec 3 autres otages contre rançon, après 1139 jours en captivité. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Monsieur le Président, je peux effectivement faire le point de la situation de notre engagement au Mali à cet instant. Devant les députés, le ministre annonce le début du retrait des troupes françaises. Nos forces seront à moins de 4000 au début du mois prochain, à 2000 à peu près au courant de l'été. Il restera 1000 militaires français d'une manière un peu plus pérenne à la fin de cette année. Des soldats français continuent à ratisser l'Adrar, les zones de Gao et de Kidal. Mais après 13 semaines d'engagement, le ministère de la Défense considère que la reconquête du Mali est achevée. Votre sacrifice rappelle à la nation l'âpreté des combats livrés au Nord-Mali en particulier. 6 soldats français et 63 soldats maliens sont morts pendant ces 4 premiers mois d'opération. Près de 400 djihadistes auraient été tués, 300 faits prisonniers. Serval se prolongera jusqu'à l'été 2014 et se transformera en opération Barkhane. 3000 soldats français dans 5 pays du Sahel. Depuis, le nord du Mali est toujours instable. Les attentats continuent. Plus de 3 ans après la libération de Tombouctou, les djihadistes n'ont plus la capacité de renverser l'État malien, mais ils gardent une capacité de terreur. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir. Et bienvenue dans notre cellule de crise. Est-ce qu'il reste encore des djihadistes dans l'Adrar des Iforas ou est-ce qu'ils ont tous été éliminés? Bon, il y a encore des mouvements terroristes, mais ils sont d'une nature totalement différente par rapport à ce qu'on a connu en début 2013. Dans ce massif? Dans ce massif et en particulier sur les couloirs de circulation qui existent dans cette partie du Sahel. Et ce sont plutôt des terroristes qui mènent des actions plus classiques de terrorisme, moins militarisées. Lorsque l'opération Serval a commencé en janvier 2013, il y avait
une véritable armée terroriste qui, avec des pick-up, plusieurs milliers de personnes, qui descendaient sur Bamako. Là, nous avons affaire à des groupes beaucoup plus restreints. Combien sont-ils, d'après vous ? Peut-être quelques centaines au maximum. Et qui ont mis en œuvre d'autres techniques qui n'ont rien à voir avec l'ampleur de la menace qui existait auparavant. Mais c'est la raison pour laquelle il y a l'opération Barkhane. Parce que ça ne concerne pas uniquement le Mali. Ça concerne toute la zone, ce que j'appelle moi l'autoroute des trafics, au nord Sahel, qui part de la Libye et qui va jusqu'à l'Atlantique. Vous dites on arrivera à les éliminer un jour. Oui, bien sûr. Il faut de la durée. C'est un phénomène qui dure depuis très longtemps, mais oui, on y arrivera. Mais le Mali n'est pas encore sur pied, si j'ose dire. Le Mali n'est pas encore... Mais il y a encore un peu de la fragilité au nord. Oui, c'est vrai. Ça veut dire qu'on est là-bas pour 10, 20, 30 ans peut-être. J'espère le moins longtemps possible. Mais quand on combat des djihadistes au nord Mali encore aujourd'hui, on assure aussi la sécurité de la France. Quelques questions qui sont posées dans le film. La question des otages. Comment est-ce qu'on fait à un moment donné pour arbitrer entre la nécessité d'une opération militaire, de mener l'offensive, et puis la survie des otages, qui peut être conditionnée aussi par ces mêmes opérations, parce qu'il peut y avoir des représailles. À ma connaissance, M. Boujadas, les otages sont vivants et libres. Je suis allé moi-même les accueillir à Niamey. Mais comment allez-vous arbitrer ? Ils sont vivants et libres. Est-ce qu'il y a eu un dilemme à un moment donné ? Il y a eu des précautions de prise, bien sûr. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Les services secrets travaillent de manière extrêmement étroite avec nos forces armées. Il y avait des risques, oui, sans doute, mais les otages sont vivants et libres. Autre information qui ressort dans ce film, les moyens de l'armée française. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions quand on se rend compte qu'on n'arrive pas à organiser une opération de transport de troupes, de matériel, avec nos propres avions et qu'on est obligé d'aller les louer ou les demander ailleurs? On a constaté qu'il pouvait y avoir des manques. Et le manque majeur, c'était la logistique, c'est-à-dire le moyen de transport. Moi, j'ai trouvé ça en arrivant. Hein. J'étais là depuis 6 mois, un peu plus. Et donc, j'ai pris la décision de renforcer ces moyens, en particulier de passer des commandes d'avions de transport, qui étaient indispensables. Est-ce qu'on peut tirer un enseignement de cette guerre au Mali pour la situation en Syrie et en Irak aujourd'hui, du point de vue français ? On n'est pas du tout dans la même configuration. Même si c'est la même adversité. Entre Daesh et ACMI, il y a la même volonté barbare de détruire, quoi qu'il arrive, déstabiliser. C'est le même enjeu avec des implications géographiques totalement différentes. On peut constater néanmoins que lorsqu'il n'y a plus d'État stable, alors, c'est le champ ouvert pour le terrorisme, et ce terrorisme nous vise nous, que ce soit en Syrie, en Irak, ou que ce soit au Sahel ou au Mali. Merci, monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Cellule de crise revient le mois prochain. Nous parlerons des attentats du 13 novembre.